Derrière ces images, ce corps et ces danses, il y a l'histoire d'une bataille, d'un combat pour guérir ses membres. Ce bras et cette jambe qui souffrent et qui ont bien du mal à se mouvoir, même si ça ne se voit pas. Comme je ne peux pas marcher, rouler, nager bien loin, j'échafaude des escapades capables de me faire toucher aux vibrations de la vie, à l'énergie, capables de créer du mouvement, même imparfait, même limité, frustré par tout ce que je voudrais faire, tout ce que je pourrais faire mais que je ne peux pas. Des escapades capables de générer de l'évasion aussi. Et puis des objets virtuels, des mots, des sensations, des émotions et des images à partager. Une avancée. Même si au départ, elles sont des constructions de substitution, l'élaboration d'une auto-illusion d'instants ressourçants et complètement vivants, un palliatif, une solution bis, une roue de secours. Au bout du compte, l'illusion est belle. Elle marche, elle fait du bien, vraiment. Et ces instants créés au départ, par défaut, au final, valent quelque chose de beau.